Mesdames et messieurs, bonjour. Buenos días, good morning. Ah, buongiorno. Ah, ça, c'est salon côté que moi fait, vidéo haïtien, moi, que moi, me fait une vidéo, surtout avec la médecine naturelle, parce que guitare, que moi, mais la musique, qu'il soit en français, espagnol, en italien, ou bien l'autre langue que je parle. Moi, mais musique, en plus. Depuis que je comprends la musique, je chante la musique. Je chante la musique même pendant que je baigne. Ça veut dire, moi, mes musiques en pile, surtout avec opéra, ou bien ranchera, mariachi, moi, mes musiques. Ainsi, ça, c'est quand même recorder petites vidéos haïtiennes. Ça, c'est tableau que moi-même, moi, mes tableaux, moi, mes antiques. Comme ça, c'était guitare, je jouais, et moi-même, petit chanter des musiques, moi. Ça, c'est Palais National, si vous regardez bien. Palais National, oui, d'Haïti. Oh, qui tombe, oh, Palais National tombé, attention, attention, que. Bon, mettez-le en l'air parce que c'est magnifique, vous l'avez en pile. Les passifs vous êtes tombés. Ah, oh, mon Dieu. À la nationale. Voilà, le pays tombé. Ah, oh, ok. C'est pas la nationale. Alors, ici, c'est ça, notre Coleman haïtien. Moi, mais en pile, notre Coleman. Et que, bon, comme vous voyez, ça, c'est Bib moins. Ah, Bib moins. Tableau, ici, c'est là, me faire, moi, faire un petit tableau, moi. Moi, fait, moi, pas tableau, je dirais, si vidéo, moi. Voilà. Et si donc, Josiane, nous allons parler d'Haïti. Haïti d'autrefois. Qui j'en peux qui commence à changer. Ok, voilà, nous allons parler d'Haïti. Alors, madame, il semble que vous avez des questions que vous avez aimé poser sur Haïti. Alors, à volonté, madame. Comment plus grand passé? Comment qu'a dit? Comment a été? Voilà, dis-moi comment plus grand passé, dit. Comment expliquer comment Haïti était autrefois? Okay. Oh, Haïti, c'était un côté où on marchait bien tard, surtout dans ces élèves où sur champ de masse, ou capable d'étudier jusqu'à 1h du matin, mais 2h du matin, tout, ou venir étudier, ou montrer la caillou, ou dans la paix, dans la sécurité, aussi longtemps qu'on pas un mélange dans la politique, ou t'es la sécurité, sécurité totale. Ainsi donc, tout ça qui a passé là, kidnapping, etc., qui a découragé mon entrée dans le pays, tout le problème qu'il a subi là, c'est une question de. Ce n'est pas politique. Il est purement politique, il n'y a pas de rien pour voir avec rien, c'est politique. Mais quand on sauve, c'est politique, il n'y a pas de rien pour voir avec rien, autre chose, c'est politique. Voilà, alors. Ou dis-moi, mais chanter ou même musique en pile? Hein? Qui musique ou songer en Haïti? Je veux dire créole, en créole, oui, donc, en espagnol, espagnol. voilà. Alors, madame Zahad, il parlait plus espagnol que créole. Elle n'est pas venue trop, catholique. Alors, musique qui me changeait, qui me dérangeait, en pile, qui me toujours aimait, c'était plus musique mariachi ou bien ranchera ou bien musique haïtienne, en pile. Par exemple, ça me changeait en espagnol, quand je suis en Cadillon, j'ai un bon ami, moi. Et du sud d'Haïti, il était les Ivre Auguste, c'était alias Titomon. Nous étions toujours à chanter des musiques espagnoles, mariachi ou bien ranchera. Surtout aujourd'hui samedi soir, nous chantons des musiques. Et c'est dans la commune, ça, c'est moi qui marché plus tard. Parce que nous étions toujours à faire chita avec des amis, à chanter en espagnol, à faire des acrostiches. Un petit poème pour ça qui a écrit les baménagios, ou bien des commandants qui t'a aimé avec le monde, avec fait petit acoustique pour eux, etc. Alors, la commune, ça a démontré plus tard, là, quand même, plus tard, il est 2h du matin, d'ailleurs. Alors, la musique qui me changeait en musique, c'était la musique de Miguel Acevedo Mejía. Moi, ça me changeait. Il dit, comment c'est comme ça, t'es dit? Estoy en el rincón de una cantina. Oyendo una canción que yo pedí, me están siguiendo Rita y Tequila, ya va mi pensamiento rumbo aquí. Yo sé que tú recuerdas mis desgracias y vengo aquí nomás a recordar que amor son las cosas que nos pasas cuando aquí una mujer que pagaba. ¿Quién no sabe la cantina? Exigiendo su tequila y exigiendo su canción, me están sirviendo real a del escribo. Ahorita
Ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente que quiero escribo que toque otra vez la que se fue. Alors, tu as aussi dans le basket comme tu as pile de musique haïtienne. Même tu as un maestro Tijo qui va comme maestro à cette époque. Nous avons toujours campé devant Saint-Jean de Chantal, c'était l'église catholique Chantal là. Nous avons jeté là, n'a pas les bâtis blancs. Non, c'était Tijo, le petit Alexis, le petit Alexis. Et nous avons mis Macdon Ben, c'était une musique qui dit comme ça que. Et. Yo vend tout ça qui est la caille. Pour chercher une meilleure vie, les rivières, c'est la prison, yo mettez nous. Mon vêtement barré sous de l'eau. Rythme, et c'est Asuka. Mais le mot Asuka, c'est un mot qui vient dans Celia Cruz. Et on connaît, Celia Cruz, c'est un cubain qui sort de Cuba. Quoi que d'origine haïtienne, mais on connaît. Il va aller dire ça. Les haïtiennes, c'est Celia Cruz qui sort de Cuba. Qui l'a chanté tout doux. Asuka! Parce qu'on connaît, c'est à cause de mes cafés, pas de café, nous avons un café, sin Asuka. Nous pouvons nous tomber un café, sin Asuka, si nous avons un Asuka, nous avons un café, si nous avons un café, nous avons un Asuka. Et donc, c'est Asuka, son parole qui sorti dans ce diacros. Alors, je pense que Mike Dobbin pense qu'il y a une copie là, qui vient faire une sorte de. Et une combinaison là qui vient faire balade, une belle. Madame Ben, c'est un groupe que je remets en pile. Et spécialement dans le basket, c'est un groupe que je remets apprécié. On le trouve dans le basket, on le trouve dans lui-même. Alors, c'est comme ça Haïti était autrefois. Tu as la paix. Normalement, tu as des conflits politiques, c'est vrai. Mais tu as la paix. En un mot, nous te vivons plus bien. Nous te cultivons tout. Pas de problème comme ça, même si. Ben, pas t'aller très bien, mais quand même, t'es gagné la nourriture, t'es gagné pénurie de d'inanition, t'es mieux. C'est simplement, t'es gagné un petit problème politique, hein. Mais quand même, t'es mieux que je veux dire. Okay. Alors, comme vous le connaissez, comme vous le faites avant hier, alors, okay. Et que, c'est comme ça, et t'es, on t'es qu'on marche bien, t'as, sans problème. Voilà. Alors, j'espère que tout détail, ça y est, vous satisfait. Ça nous donne bon. Ça, question de gain ou à me satisfaire et sortir le connaître d'Haïti. Ok, merci. Oui. Mm-hmm. Alors, comme moi qui vivais à ces domaines, ou grandi à ces domaines, ou pas qu'on a trois bagages d'Haïti, alors Haïti sont bel côté lié, mais tout ça qu'a fait là, c'est juste pour décourager, pour faire Haïti paraître l'aide. Mais pas oublier, Haïti sont grand côté lié, et c'est nous-mêmes qui avons la plus belle histoire dans le monde, mm-hmm. C'est nous-mêmes qui, nous, c'est nous-mêmes, première république de moi qui est dépendant. Et c'est nous-mêmes tous qui nous avons même déclaré la guerre à Hitler, mm-hmm. Et maltraité Jufio, et que nous avons même les États-Unis tout, nous avons pris l'indépendance okay. Et à Savannah, mm-hmm. Quoique nous étions sous la bannière du français, et que, mais quand même c'est nos enfants, nos ancêtres, qui étaient venus combattre pour aider les États-Unis à venir l'indépendance. Non seulement ça, nous sommes dans plusieurs côtés, dans la Colombie, dans le Venezuela, dans la Houba, Martinique, de l'autre côté, et la Jamaïque. Nous avons prêché la liberté des Noirs, nous avons été dans pile pays de liberté. Et mais, bon, les Américains étaient dans le monde, nous avons marché plusieurs côtés pour libérer les Noirs qui étaient dans l'esclavage. C'est ça qui fait courir le nord, descendre contre le sud pour grand temps libérer. Et black yo t'es noir yo t'es dans l'esclavage avant que le même monde d'abord arrive sur yo on libère tout c'est l'histoire pas tellement belle on peut pas t'appeler pour dire que c'est Haïti qui vient retirer l'esclavage dans le pays ça parce que nous commençons à libérer un pays okay? Okay. Et c'est nous mêmes qui avons grande puissance de ça nous tellement de grande puissance de ça parce que les uns nous même ils n'étaient pas acceptés pour être en guerre avec nous parce que nous avons déclaré la guerre ils n'ont pas qu'à répondre avec notre nation qui était plus puissante que nous-mêmes. Il parle d'une bonne histoire, mais c'est une vérité que lié. Mm-hmm. Elle était plus puissante que ça. Parce que pas de aucune nation qui était plus forte à l'époque que Français. Nous j'étais Français, nous gommons avec eux, et nous j'étais eux, et puis les Français étaient plus puissants. Ils étaient bien plus puissants que les Américains à cette époque. Les Américains étaient plus puissants après. Okay? Mais quand même, il faut faire Haïti paraître l'aide. Et pour nous, là pour nous, pas qu'on est, ça qu'a dit, il y a. Pour tout le monde décourager. Tout le monde a passé à Haïti dans la tête. L'école, mm-hmm. On a passé dans la tête. Maintenant, au collège, on a
passer nous en dérision parce que parce que c'est haïtien, mais il va qu'on histoire haïtien. L'histoire haïtien, elle est belle, elle est grande. Comme moi-même qui l'ai assez domaine, alors c'est, nous expliquons ça à Haïti. Haïti, pas aussi l'aide, j'aime mieux faire le paraître là. C'est une raison politique et qui derrière ça, qui manipulé, on a fait kidnapper, etc. Mais c'est pas, c'est son bail bien, bien chita, il a une raison, il est terminé d'elle. Alors, mais c'est pourquoi son bon ami, pour l'instant, tu es. Oui, oui. Moi, je suis Augusto. Tu es pratiquement stable, ok? Oui, ok. Merci. Je suis Augusto. Ok.